Adriana. Voici Adriana, mon épouse. Ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Nous avons trois filles. Elles ont 27, 26 et 22 ans. Adriana fait merveilleusement bien la cuisine. La famille Brozzone doit minutieusement planifier ses courses. Cela commence par l'eau potable, qui doit être acheminée depuis la ville de Tigré. L'eau du fleuve et des rivières est importante pour la consommation. Le gaz est en bouteille ou dans de petits réservoirs. Comme bon nombre d'habitants du Canada, la Nos pères et nos arrière-grands-pères viennent tous d'Italie. On le reconnaît à nos noms de famille. Brozzone et Titarelli. Ma famille aime bien varier le menu et manger autre chose que des plats argentins. Les pâtes faites maison, ravioli ou gnocchi, c'est mieux que de manger autant de viande. Quand ils doivent discuter d'un problème, ils se préparent toujours du maté, une infusion typiquement sud-américaine. Je voudrais te parler de quelque chose. J'ai récemment rencontré le gouverneur de Buenos Aires et le maire de Tigré. Un conseil. Le nouveau maire, celui pour lequel j'ai voté. Je lui ai toujours fait confiance. Je me disais qu'il changerait les choses, qu'il remettrait un peu d'ordre dans le port. Et toute la soirée, ils ont discuté de la façon dont on pourrait développer le tourisme. Ils n'ont pas dit un mot sur notre travail à nous. Je suis terriblement déçu. Je pense que, tôt ou tard, ils vont nous chercher. Il y a de moins en moins de place. Un jour, on sera fichu dehors. Darius ? Dadou ? Dadou ? Mais là, ils veulent juste. Oh, Dieu. Mon Dadou, t'es joli. Montre-toi. Dadou. Il est la plaque tournante du trafic entre les centaines d'îlots disséminés dans le monde. Un grand nombre d'assurés y travaillent. Mais t'as vu. Oh. Voilà, c'est fini la vidéo.